Salut les amis, c'est Chess Opus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième et dernier jeu de notre mini-série rétro consacrée aux jeux Nintendo 64. Après Super Mario, Zelda Ocarina of Time, on s'attaque à Zelda Majora's Mask. J'aime beaucoup ce jeu, je vais pas faire de faux suspense et attendre le débrief du dernier épisode pour le dire. Parce que c'est un jeu que je connais très très bien, que j'ai fait même y compris récemment. Hein. Je ne vais pas répéter l'histoire à chaque fois, mais c'est vrai que j'avais lancé ma chaîne et j'avais enregistré un certain nombre de let's play, dont ce Majora's Mask, et puis que mes ordi ont crashé et que j'ai perdu moitié des vidéos que j'avais tournées. Et donc c'est un jeu que j'ai fait plusieurs fois, y compris relativement récemment, et que donc j'aime beaucoup. Je dois être tout à fait honnête, Ocarina of Time, si ça reste mon Zelda préféré, c'est vraiment parce que c'est le premier auquel j'ai joué qui a le côté nostalgique emporte tout, parce que pas loin derrière il y a ce Majora's Mask que je trouve excellent. Un jeu qui est d'ailleurs une sorte de suite non officielle hein, d'Ocarina of Time, puisqu'il est sorti juste après, qu'il se déroule dans un monde parallèle à celui d'Hyrule. Ce n'est pas tout à fait Hyrule, mais ça en reprend beaucoup de personnages et d'histoires et de thématiques, y compris même et de musique et de chant. Un jeu donc sorti en 2000 pour la Nintendo 64, mais qui a été porté depuis sur d'autres consoles, hein, comme la Wii U, la 3DS. Et un jeu qui, à sa sortie, a divisé les fans et les critiques, et qui depuis ne cesse d'être évalué à la hausse et pour cause, puisque peut-être que vous le voyez là justement avec cet écran titre, un jeu plus sombre qu'Ocarina of Time. Alors attention, hein, toute proportion gardée, hein, c'est pas Silent Hill, mais c'est un jeu, d'ailleurs on va appuyer tout de suite, s'il vous plaît, merci, on va aller se choisir un fichier. Oui, un jeu plus sombre, avec des thématiques peut-être un petit peu plus matures, et avec une mécanique bien particulière. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais pas spoiler maintenant, mais c'est vrai qu'un système de sauvegarde qui a déplu, moi j'ai beaucoup aimé, hein, dès la première fois où j'y ai joué. C'est vrai que j'étais déjà, et oui je suis vieux, déjà un petit peu âgé, donc c'est vrai à l'époque où il est sorti, donc j'ai peut-être plus apprécié que ceux qui étaient vraiment plus jeunes. Et en tout cas vous allez voir, ça va nous entraîner dans une très très belle aventure. Alors, juste, je vais pas faire le 100% sur ce let's play, en tout cas dans un premier temps. Lors de mon premier let's play, hein, que j'avais enregistré et que j'ai donc perdu, j'étais arrivé jusqu'à 17 cœurs. Parce que j'ai jamais réussi le 100% par contre. Parce que les derniers quarts de cœur, ce sont des jeux d'adresse qui sont très difficiles à faire. Allez, je me suis fixé pour ce let's play de faire tous les chants, toutes les bouteilles. Évidemment, tous les champs, toutes les bouteilles, tous les masques, oui. Et 18 cœurs. Allez, 18 cœurs sur 20. Je compléterai ultérieurement sur Twitch, donc pas tout de suite. Mais on va dire que c'est le contrat qu'on va se fixer ensemble pour ce let's play. Logiquement, ça devrait, même si le jeu est assez long, ça devrait aller assez vite, hein, parce que vraiment, je le connais très très bien. Et que je l'apprécie beaucoup. Donc des épisodes d'une heure, hein, sans montage. Avec cette musique déjà, cette musique des fées, ma préférée hein, de tous les Zelda, là sans contestation. Écoutez, allez, on est parti, vous allez voir. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas, s'il en existe, hein, des joueurs qui ne connaissent pas Majora's Mask, c'est une très très belle aventure, très dense, et où vraiment les mécaniques de jeu sont hyper prenantes. Allez, on va se choisir. Alors, on va s'appeler du nom du personnage, pour changer d'Ocarina of Time. On va s'appeler, j'avais mis mon prénom, on va s'appeler très simplement Link. Donc oui, hein, je joue sur PC avec la manette. Allez, on est parti. Dans le royaume d'Hyrule résonne l'écho d'une légende, une légende transmise par la famille royale. Elle parle d'un jeune garçon. Un jeune enfant qui,
après avoir vaincu le mal et sauvé Hyrule, s'est éloigné de cette contrée qu'il a consacrée héros légendaire. Fatigué des combats qu'il a menés avec tant d'ardeur, il s'est embarqué dans un périple secret, une sorte de quête intérieure. Un voyage pour trouver un ami véritable qui sera le miroir de sa confiance. Un ami qu'il a autrefois quitté une fois ses missions terminées. Un ami qui est assis à côté de lui sur le trône de la gloire. Hey, bien joué les fées. Je me demande s'il porte des trucs intéressants sur lui. Hein, ce mioche? Bon, pas grave, il ne va pas poser de problème. Oh, quelle belle ocarina! Hey, Skulkid, laisse-moi le toucher, je veux le voir! Non, Taël. Tu es trop maladroit, tu pourrais l'abîmer. Il ne faut pas. Pas question, bats les pattes! Mais Sorette, pourquoi t'es dur avec moi? Je suis pas si maladroit. Ok, ça commence très fort. Ok, bon allez. Pas grave. Donc on a rencontré Skulkid et les fées. Vous allez voir le scénario de toute façon, quand même assez simple, assez limpide. Mais très original. Ah, le problème, c'est précipité. Tu veux récupérer ton cheval? Qu'est-ce que tu y trouves? Il est complètement débile, il refuse de m'obéir.
Une vraie tête de mule. Ce poulain ne vaut rien. Je vais te faire une faveur. Je vais t'en débarrasser. Pourquoi tu tires cette tête? Je voulais juste m'amuser un peu avec toi. Oh allez, fais pas ta mauvaise tête. Tu crois que tu pourrais me battre? Prétentieux. Eh ouais, terrible. On n'a plus Epona, on se fait transformer en Mojo. Ah c'est dur, hein, c'est dur. Le début pour Link. Voilà qui te va bien, tu ressembles enfin à quelque chose. Tu vas rester comme ça pour toujours. Sœurette. Oups. Oh, hey, Skull Kid, attends-moi, je suis derrière. Telle ne part pas sans moi. Oh. Toi, oui, toi. S'il n'avait pas perdu mon temps à m'occuper de ta misérable existence, les autres ne m'auraient pas abandonné. Bah alors, qu'est-ce qui te prend, petite tête de Mojo? Fais quelque chose! Pourquoi tu me regardes comme ça? Ma tête te revient pas? Mais tu vas arrêter de me regarder comme ça et m'ouvrir cette satanée porte! Allez, s'il te plaît, c'est une gentille petite fée qui te demande de l'aide, alors grouille-toi! Oh, t'as, je me demande s'il pourra se débrouiller tout seul. Il est tellement maladroit. Voilà, donc on est en Mojo. Non, dur. C'est dur. Ah oui, hein, les buissons qui bougent, évidemment. Super des petits rubis. Ah, donc ce monde parallèle, très curieux. Okay, bah écoutez, hein, on avance. Hey, attends-moi, ne me laisse pas derrière. Alors, pour ce qui s'est passé, je m'excuse et donc tu me prends avec toi. Tu veux en savoir plus sur ce Skull Kid? Bon, moi, je crois que j'ai une petite idée de l'endroit où il se trouve. Prends-moi avec toi et je t'aiderai, ok? S'il te plaît. Super, marché conclu. À partir de maintenant, on est partenaire. Enfin, jusqu'à ce qu'on retrouve Skull Kid. Mon nom est Taya. Alors, enchanté. Qu'apporte ton nom? Insupportable. Bon, maintenant que tout est réglé, il serait peut-être temps de se bouger un peu. On a du pain sur la planche. Si je trouve quelque chose, appuie sur le bouton du haut et je te le dirai. J'espère que tu n'auras pas trop besoin de moi quand même. Mais là, c'est le côté Navi. Hein. on est affligé. Mais il y a de quoi, il y a de quoi. Alors oui, donc, attendez, faut que je m'y remette quand même. Oui, non, mais... Voilà. Des fois ça marche pas, je sais pas pourquoi. Voilà. Ah, ça, les fleurs Mojo. Ok. Non, mais ça va revenir vite, honnêtement. Pour aller voler de plateforme en plateforme. Alors. Attendez, ce que je vais faire par contre. Je vais juste regarder si l'enregistrement est bien lancé. Je suis obligé à chaque fois de quitter. Hein. Excusez-moi. Voilà. Et oui, j'ai encore qu'un écran. Malheureusement. Ah, le premier coffre, hein. On le voit. On le guette, on le convoite. Ah, le pauvre Link, là, il souffre. Qu'est-ce que c'est? Des noix, Mojo. Truc, j'ai jamais compris à quoi ça servait. Oui, bon, allez, tais-toi. Allez, c'est bon, on s'en fiche. Ça, quel que soit le Zelda, ça ne sert à rien. Je peux y aller, là? Ouais, il y en a une derrière, là. Allez, hop! Parce
évidemment, c'est un temps limité. Et voilà, premier fail. Désolé, j'ai pas compris le chemin là. En fait, on va direct là, ouais. Pourquoi je me suis... Oui, non, c'est pour regarder le... Ok, qu'est-ce que t'as à me dire alors? Ouais, mais tu vois, tu m'empêches de sauter. Allez, Taïa, laisse-moi tranquille. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux? Je me rappelle plus de ça. C'est quoi? C'est une décoration, c'est ça? C'est bizarre, je trouve que cet arbre te ressemble étrangement. Il a l'air sombre et malheureux. On dirait même qu'il pourrait pleurer d'un instant à l'autre. C'est tellement triste. Ok, bon. Alors, c'est la petite intro, vous voyez? Ça rappelle, c'est dans Temple de la Forêt, hein, quand on doit... Le couloir est tordu, on doit le détordre et le retordre. Ah là là, magnifique. Ça fait plaisir de refaire une petite partie de Majora's Mask, même si bon, j'étais un peu dégoûté hein, quand j'ai perdu les vidéos que j'avais tournées. Mais j'aime tellement le jeu que c'est avec plaisir que j'y reviens. C'est avec plaisir. Ah, jeune garçon, tu es confronté à une terrible destinée, n'est-ce pas? Je suis le propriétaire de la foire aux masques. Je voyage à travers les mondes à la recherche de masques exotiques. Pendant mon voyage, un de mes masques m'a été dérobé par une sorte de lutin alors qu'il me reposait dans les bois. C'est pourquoi je suis là, et maintenant que je t'ai trouvé. Je le prends pas mal, mais ça fait un petit moment que je te suis. On voit d'ailleurs dans Ocarina of Time, mais c'est toujours pareil. Hein. On va, il y a évidemment des créatures nouvelles, mais la plupart, on les a déjà vues. Elles sont utilisées différemment. Et on avait fait d'ailleurs, hein, dans notre 100% Ocarina of Time, on avait fait la quête des masques. Je connais une façon de te rendre ton apparence normale. Là, tu m'intéresses. Si jamais tu peux récupérer l'objet précieux qui t'a été volé, alors je pourrais te rendre ton apparence normale. En échange, tu dois récupérer le masque précieux qui m'a été dérobé par ce vilain lutin et tu me le rendras. Quoi? Non, ce n'est pas un simple masque. Mais je ne crois pas que ce soit une tâche trop ardue pour toi. À moins que... En fait, je suis quelqu'un de très occupé. Et je dois partir dans 3 jours. Ce serait fantastique si tu pouvais me ramener le masque avant que mes affaires ici ne soient réglées. Mais je crois que tu t'en sortiras. Tu es jeune et tu me sembles doué d'un immense courage. Tu trouveras un moyen, j'en suis sûr. Bon, je crois que tout est dit. Je compte sur toi. Ok. Du premier jour, 72 heures restantes. Et voilà. On arrive à Bourg-Clocher, qui est le village central de ce monde. Qui n'est pas très grand, mais il y a tellement de choses à faire. Que franchement, on sent pas du tout le fait que c'est un petit monde. Alors là, je suis énervé. Ce vendeur de masques était en fait... Oups, je pensais à haute voix. Mais 3 jours, même sans dormir, ça ne fait que 72 heures. Tu parles d'une quête. Bon allez, secoue-toi un peu, il faut aller voir la grande fée. Tu veux retrouver Skulkid, il me semble. La grande fée saura ce qu'il faut faire. Elle sait généralement tout ce qui est à savoir. Au fait, de toi à moi, mais c'est un secret, Skulkid n'arrive pas à la cheville de la grande fée. Fonce au temple près de la porte nord, tu trouveras la grande fée dans le coin. Oui, alors la grande fée, effectivement, ça aussi, ce sera quelque chose qu'on verra, qu'on reverra dans les temples. Elle est... Ah ! Ça, c'est pour la dernière quête du jeu. La fée est brisée en plusieurs morceaux. Il faut lui redonner sa forme originelle, ce qu'on va faire tout de suite. Petit homme, entends mon appel. J'ai été brisé en morceaux et dispersé par Skulkid. S'il te plaît, trouve un moyen de me ramener à la fontaine des fées au nord de Bourg-Clocher.
Et bah c'est ce qu'on va faire. Tiens. Ouais, ce bourg-clocher, on va y être souvent, hein, c'est clair. C'est le point de ralliement. Bah donc allons-y, allons-y, allons-y. Vous allez voir ce système. En fait, chaque partie a une durée limitée de 3 jours. Et bon, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est très simple à comprendre. Mais j'aime beaucoup. Cette mécanique a été décriée, mais moi je l'aime beaucoup. Ça rajoute de la tension, en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Habit vert, fée blanche, messire, seriez-vous par chance une fée des bois? Oh là là! Je m'appelle Tingle, je crois être comme vous, messire, une fée des bois. Hélas, bien que je sois âgé de 35 ans, aucune fée n'est encore venue me voir. Ah, t'es puceau. Mon père me dit de grandir et d'agir en adulte responsable. Mais pourquoi donc? Je vais vous dire, Tingle est l'absolue réincarnation d'une fée. Ouais. Il est un peu space, lui. Alors, pendant que je me tiens là à attendre une fée, je vends des cartes pour aider mon père. Ça, c'est bien. Vénard, chanceux, tu as de la chance d'avoir une fée. Je sais, nous devrions être amis. Oui, oui. Et en échange, je te vends une carte à prix d'amis. Alors, achèteras-tu une des cartes de Tingle? Absolument. Absolument. Youpi! Et alors, la première carte. Ouais, non, mais ça, c'est bon. À bientôt! Tingle, Tingle, Kululimpa! Ce sont les mots magiques que Tingle a créés tout seul. Il n'est pas tout seul dans sa tête, à mon avis, hein, Tingle. Ne les vole pas! Ok, on va pas insister, hein. Ok. Donc on va à la fontaine des fées. Et fée. Oh non, la grande fée. T'inquiète. On est là pour ça, non? On ramène le bout qui manque. Ah, quelle musique magnifique, je m'en lasserai jamais, je crois. Taya, et toi, petit être à la forme altérée, merci d'avoir rendu à mon corps brisé sa forme originelle. Je suis la grande fée de la magie. Je croyais que cet enfant masqué voulait m'offrir son aide et je ne me suis pas méfié. On vous demande qui, hein? Pour ta bravoure et en témoignage de ma gratitude, je vais t'offrir un pouvoir magique. Cela te sera utile. Oui, très utile, hein. Sinon on ne peut pas progresser, c'est un peu embêtant. Voilà, la petite barre verte là. Je dirais que c'est de la drogue et qui plane. C'est un peu du dopage, hein, quelque part. Et voilà! Vous obtenez un pouvoir magique. Voilà, on peut cracher des bulles, et ça c'est très important. Ouais, c'est pas top top, mais... Ouais, donc il faut... Par contre, ça coûte de la magie. L'homme qui vit dans l'observatoire en dehors de la ville est au courant des agissements de Skull Kid. Mais attention, tu ne dois pas sous-estimer les pouvoirs de cet enfant, petit être plein de bonté. Lorsque tu auras retrouvé ta forme d'origine, rends-moi visite à nouveau et je t'apporterai encore mon aide. Oui, vous vous en doutez, on va pas rester mojo toute la partie. Encore faut-il se désenvoûter du sortilège donné par Skukin. Alors, oui, effectivement, il faut faire ça. C'est vrai, quand on sait ce qu'il faut faire, parce qu'on a déjà joué, ça enlève beaucoup de la difficulté du jeu. Parce que le jeu est quand même assez difficile. Ça aussi, ça a un peu déplu. Mais il est vrai que la première fois, on galère pas mal. C'est toi qui viens d'éclater ce ballon? Pas mal pour une peste mojo. Nous, les bombers, nous avons un repère qui mène à l'observatoire en dehors de la ville. Il te faudra un code pour entrer. Peut-être que je te le donnerai. Mais crois pas que tu pourras l'obtenir si facilement. J'ai pas donné le code comme ça. Tu dois avoir passé une épreuve. Es-tu prêt? Oui.
Très bien. Oh les gars. Si tu peux nous trouver tous les 5 avant demain matin, je te donnerai le code. Prêt? Alors, après qu'on se demande, après. Ah bah lui il est là. Ok, 1. Tu dois être de l'autre côté, j'imagine. Ok, 3. Donc là. Ah oui, on peut pas sortir parce que justement on n'a pas forme humaine, on n'a pas d'épée surtout. À l'ouest de Bourg-Clocher. Ah bah il est juste là. Tiens, viens là toi. Ok, il en reste encore 2. Alors ce qu'on va faire, je vais vous montrer. Ça va, calme-toi là. C'est qu'on a la banque. Et ça c'est important pour déposer les rubis. Eh hey, petit gars, tu veux mettre les rubis au frais? De nos jours, même quand ils ont de l'argent, les gens ne veulent plus rien déposer. Rien, rien. Alors je te propose une offre spéciale. Pour un temps limité, tout ce que tu déposeras te fera gagner des cadeaux. Ouais. Par exemple, si tu déposes 200 rubis, je te donnerai un objet qui peut contenir plein de rubis. Donc c'est pourquoi déposer les rubis. Très bien. Alors, combien tu déposes? Combien? Et moi, ce capitaine... Mince, je me suis trompé de bouton. 0 rubis, tu es dur avec moi, c'est pas vraiment drôle. Bon, d'accord, excuse-moi, je me suis trompé. Alors, je suis trompé de bouton. L'avidité capitaliste, hein, banquier. Allez hop. Sérieusement, mais ça fait beaucoup ça, c'est énorme, énorme. Alors dis-moi jeune homme, comment t'appelles-tu? Link, c'est ça? Oh, je n'oublierai pas, je vais t'apposer une marque avec mon encre spéciale pour que je te reconnaisse. Eh, reste calme, ça ne laisse pas de traces et ça ne fait pas mal. Voilà, maintenant je te reconnaîtrai à chaque fois. Ok jeune homme, j'ai un total de 21 rubis qui t'appartient. Reviens quand tu auras un peu économisé. Voilà, ça c'est fait. Donc, on en a fait 3. On va aller à l'est. Il va y en avoir 2 à l'est. Ah, l'ambiance est vraiment... J'aime beaucoup, moi. J'aime beaucoup. Vraiment, toujours un plaisir. Voilà, ça c'est l'est de Bourg-Clocher. Donc il y a nord, ouest, est, sud. C'est logique. Donc là c'est pour venir justement. Tiens-toi. Voilà. Il est où le dernier? Peut-être en haut, d'ailleurs il faudra peut-être qu'on aille voir par là pour rentrer dans l'auberge pour faire avancer un peu le temps. Ah c'est pénible, qu'est-ce qu'il y a Taya? Oh pourquoi sommes-nous obligés de jouer à ces jeux puérils? Dépêche-toi de les trouver. Il ne reste que 17h29 avant le matin. Écoute, hein, je fais ce que je peux. Hein. Voilà. Oh non, comment tu m'as eu? T'es pas mauvais pour une peste mojo. Si seulement tu étais humain. Je pourrais te donner un journal des bombeurs et faire de toi un membre. Vous en pensez quoi les gars? Pas moyen, pas de peste mojo. Bon, tant pis. Une fois on a laissé un garçon pas humain entrer dans notre groupe et on l'a vraiment regretté, désolé. Mais je vais te donner le code, comme promis. Mais je ne peux te le dire qu'une seule fois, alors écoute bien. Prêt?
Oh là 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 là, j'ai rien pour noter, et j'ai rien pour noter. Grossière erreur. 24-351, ok. Bah tout de suite. 24-351. Tu veux passer, tu vas me donner le code secret. Alors, 24. Il va falloir que je m'en rappelle. C'est pas grave. C'est ça, tu le connais le code, alors tu es membre, non? Ok, vas-y. Voilà, donc maintenant on peut passer. Il y a plein de trucs cool chez le type au télescope. Ouais, pour la justice, vive la société secrète des Bombers. Oui, d'accord, j'ai compris, merci. Ok. Petite sculpture là qui est là. Fonce ici. C'est vrai que j'ai pas. Ouais, je vérifie juste. Ouais, enfin, ça me sert à rien les Momojo, mais enfin. Bon. Ok, Kaoum, elle a. Donc alors, non. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Voilà. Je vais m'y faire au bouton. Je vais m'y faire. On arrive à l'observatoire. J'aime bien la musique de l'observatoire aussi. Épouvantail. Oh yeah baby, je suis l'épouvantail qui a du style, toujours à la recherche d'une musique qui swing. Le temps va passer super vite si tu danses avec moi. Tu veux baby, on peut oublier le temps et danser jusqu'à la nuit tombée. Veux-tu danser? On peut avancer le temps comme ça. Oui, tiens, allez hop. Oh yeah, oublions le temps et dansons. Chante Saria. Comment tu as trouvé ça? C'est passé en un instant et je me sens toujours en pleine forme. Tu veux, baby, on peut oublier le temps et danser jusqu'à l'aube. Tu veux danser? Non, on va arrêter là pour l'instant. Oh, dommage, très dommage. Dans ce cas, reviens me voir quand tu veux. Au fait, je connais une chanson mystérieuse qui permet de manipuler le temps. Veux-tu l'apprendre? Non, parce que je la connais, en fait. Désolé, c'est vraiment dommage. Dans ce cas, laisse-moi te jouer une de tes chansons. Ouais, mais en fait, oui, c'est le chant de l'épouvantail, hein. Bon, ceux qui connaissent Karina of Time. Ça va, on lui apprend une chanson, puis après, ça fait apparaître un épouvantail. C'est important pour aller dans certains endroits inaccessibles. C'est pour plus tard. Tiens donc, voilà bien un étrange visiteur qui nous arrive là. Es-tu un nouvel ami du gang des Bombers? Tes manières semblent beaucoup plus nobles que celles de ton ami malfaisant venu ici l'autre jour. Ce vaurien mal élevé a menacé de briser mes magnifiques instruments. Il m'a dit qu'il volerait ma larme de lune. Je n'ai pas pu l'en empêcher. Même maintenant, regarde-le, il est sûrement en train de causer des problèmes vers l'horloge. Veux-tu jeter un coup d'œil dans mon télescope? Bah, je suis là pour ça. Et regardez. Voilà, il a ce qu'il a. Poétique, la larme de lune, j'aime bien. Il monte ses fesses, ça aussi c'est poétique. Pas vraiment, non. Ok,
On a ce qu'il faut. Alors, as-tu trouvé ce fauteur de trouble? Et cet énorme bruit, qu'est-ce que c'était? Peut-être qu'une autre larme de lune vient de tomber non loin. Prends cette porte et va donc voir de quoi il en retourne. Je me demande comment ce petit démon est parvenu à monter au sommet de l'horloge. Le seul moyen d'accès est la porte de l'horloge et elle ne s'ouvre que la veille du carnaval. Et oui, et en fait... Vous avez vu cette lune, elle ne fait que se rapprocher. C'est pour ça qu'on n'a que 3 jours, parce qu'en fait... elle menace de s'écraser et de détruire le monde. Hop, petite larme de lune. Sa beauté étincelante irradie d'une étrange lueur. Ok. 24-351, faut que je m'en souvienne. Je vais avoir du mal à m'en souvenir, franchement. Est-ce qu'il reste des rubis encore? Tout à fait. C'est appréciable. Allez, on revient à Bourg-Clocher. On y est encore à Bourg-Clocher, mais je veux dire. Donc nous, on est à la limite, en fait. Ben non. Ok. Quoi, Taya? Tu fais pas ta navie, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux? Très bien, nous savons ce cache Kulkid. Allons près de la tour du clocher chercher des renseignements. Ah, mais regarde l'heure qu'il est. Il nous reste même pas 3 jours. Voilà, c'est bon. Donc, c'était parfaitement inutile. Là. Donc j'ai au sud. Hein. Ok, donc il faut aller là. En fait, quand on va là, il y a un petit souci. Attends, une petite minute. Peste mojo voyageuse. Ceci est une propriété privée, ne l'utilisez pas quand je ne suis pas là. D'accord, mais... Le carnaval n'a même pas commencé, j'ai déjà vendu toutes mes marchandises. Je pense que je vais fermer boutique, acheter un cadeau à ma femme et rentrer au village. J'ai entendu dire qu'une pierre appelée l'arme de lune brille 1000 fois plus que toute autre. Si tu en possèdes une, j'aimerais vraiment te l'acheter et ma femme serait folle de joie. Si tu me la donnes, je t'offrirai ma place ici, fleur mojo incluse. Ok... Ah, cette pierre, donne-la-moi. En échange, je te cède ma place ici avec, bien sûr, ma fleur mojo. C'est d'accord? C'est ok. Voilà, là. Un type de terre qui nous servira plus tard dans une autre partie. Merci de ton aide, je possède maintenant un cadeau magnifique pour ma femme. Ça fait bien longtemps qu'elle n'a vu un joyau ou une pierre étrange et brillante comme celle-ci. Le titre de terre pour cet emplacement sera très demandé par les pestes mojo, mais tu dois déjà être au courant. Si tu n'en as plus besoin, tu peux toujours le revendre. Ouais. Allez, dégage. Laisse-moi ta place. Et on, vous le voyez, hein. On va aller récupérer, cueillir le premier quart de cœur du jeu. Grâce à cette fleur. Alors, les fleurs jaunes, généralement, hein, elles sont plus puissantes. Elles te mettent plus haut que les fleurs habituelles, les fleurs roses. Et voilà! Cool! Donc, les portes de la tour du clocher ne s'ouvriront qu'une fois par an à minuit la veille du carnaval. Et oui, c'est un peu le problème. Donc, ce qu'on va faire, parce qu'on peut pas sortir, on peut rien faire. On est obligé d'attendre. Donc, ce qu'on va faire, est-ce qu'on n'irait pas, justement, du côté. Je crois que c'est là, non?
Allez, vas-y. Ouais. Voilà, donc ça va nous permettre d'aller. Ouais, on danse. Nous permettre d'aller au moins jusqu'au troisième jour. Ça sera pas un luxe. Ça nous permet d'aller plus vite. Il faut qu'on soit à minuit troisième jour. Ça va être long. Hein. Alors ça va être un peu l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire que là, on va un petit peu être obligé d'attendre. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses à faire. Notamment les temples sont tellement bien faits et longs qu'on court sans cesse après le temps. Hein. Mais là, là, comme il va falloir attendre minuit, c'est vrai que on va être un petit peu dans un moment d'attente là. Bon, heureusement on gagne 12 heures à chaque fois. Ouais, je veux. Ouais, il y a pas, on peut pas faire grand chose là, on est au tout début du jeu. On peut pas sortir hein, du village. Est-ce qu'il continue à vouloir aller jusqu'à la nuit ? Ou pas ? Je m'arrangerai. Ouais, je veux bien. Voilà, on va arriver à la nuit du dernier jour. Il faut attendre jusqu'à minuit, quoi. Un peu le problème. Pour que les portes de la tour de l'horloge... Voilà, souvent, donc ce que je vous propose, hein, très simplement, il n'y a pas grand chose à faire. Vous verrez qu'à l'extérieur, ça craint un peu des trucs louches, je passe, moi je m'en vais de la ville. Prends soin de toi. Je connais une chanson mystérieuse qui permet de manipuler le cours du temps. Veux-tu l'apprendre? Ouais, on va dire oui. Ouais, écoute, ça va swinguer. Il paraît que si tu joues la chanson mystérieuse à l'envers, tu pourras ralentir le cours du temps. Et ça pourra nous être utile, justement. Et si tu joues chaque note deux fois, tu pourras faire passer une demi-journée. Oui, on va pas être obligé à chaque fois qu'on veut faire avancer le temps, on va pas être obligé à chaque fois de revenir vers l'épouvantail. Il y a aussi la grand-mère de l'auberge aussi, pour gagner du temps, mais bon. Alors, c'est plutôt intéressant, non? Tu vas apprendre une nouvelle chanson et c'est avec moi un de ces quatre bébés. Oui, puis on a aussi le chant de l'épouvantail, qui comme pour Ocarina of Time, hein, n'apparaît pas, hein, c'est notre chant personnel. Qui est bien utile. Alors, ce que je vous propose, vous voyez, il est 18h, 10h du soir. On est jusqu'à minuit comme ça. Alors, je vais tenter un coup. J'ai peut-être une solution pour avoir un quart de cœur. Oh, je suis pas sûr, non. Non, ce qu'on va faire très tranquillement, pas s'embêter, on va aller farmer des rubis. Un quart de cœur, on peut pas encore y aller. Juste là. On prend le premier. Alors, le jeu est assez exigeant dans le sens où il faut faire les quêtes dans le bon ordre. Le bonjour, la bonne heure. Alors parfois je risque de m'embrouiller parce que je m'en souviens bien, voire très bien, mais voilà, peut-être que c'est l'ordre qui peut me manquer, je peux m'embrouiller. J'espère que vous appréciez en tout cas hein, ce Majora's Mask, alors des rumeurs courent, hein, comme quoi il va être remasterisé prochainement. C'est vrai que peut-être que je ferai une autre partie à ce moment-là sur Twitch, je sais pas. Parce que moi, mon idée, c'est plutôt dans quelques mois de compléter le 100% sur Twitch avec l'augmentation des capacités et les deux ou trois derniers quarts de cœur, pardon,
On va essayer de faire 18 sur 20. On va essayer. J'ai jamais réussi. Moins 17, je sais, j'y suis arrivé la dernière fois. Le problème, comme je vous disais, c'est que le dernier quart de cœur, il y a pas mal de jeux d'adresse. Et bah, je suis nul. Donc c'est un peu l'enfer. Peur de perdre des rubis en route. On est déjà 9h, on a fait la moitié du chemin. On va en... On va déposer le maximum, hein, 99. Hein. On va y aller. On va être même un petit peu en retard. Allez, on va faire... Oh, quoique, on peut aller jusqu'à 99. C'est exactement ce qu'il y a à faire. Donc... Il y a encore deux passages, c'est vrai. Et ça passe quand même relativement vite le temps, et quand on a un temple à finir, c'est pas évident. Parce que effectivement, on a à chaque fois que 3 jours, vous allez voir, de toute façon, ceux qui ne connaissent pas, puisque ça peut être la fin du monde, et voilà. Allez, il est minuit. On a fait un bel arrêt sur image, là, sans prendre le rubis. La veille du carnaval à minuit. Le scénario est original et très bien construit et très cohérent chaque fois. Enfin, on peut y aller. Allez, on a 5 minutes. 6 minutes. Ouais, 98, c'est pareil. Ok, donc on va les déposer. Si on pouvait éviter d'être game over, ce serait bien. On va déposer ça. Notre banquier. Alors, oui. Allez. Allez, faire ta littérature, là. Ton discours. Je suis un peu pressé, là, quand même. On a déjà 119 rubis. Bah, c'est très bien. Il nous reste 5 minutes, hein, quand même, pour faire ce qu'on doit faire. C'est vrai qu'on a l'air triste en Peste Mojo. Hop là! N'arrête pas maintenant, regarde, tu peux y entrer maintenant. Ok, Navi... Oh pardon, Taya. Thank you.
Sœurette. Ah, Taël, je vous ai cherché partout tous les deux. Est-ce que Kid, est-ce que tu rendais ce masque à qui tu l'as volé maintenant? Eh, vous m'écoutez? Marais, montagne, océan, canyon. Vite, les quatre qui sont là-bas, amène-les ici. Ne parle pas comme ça, stupide fée. Non! Qu'as-tu fait de mon frère? Skull Kid, tu crois que tu es encore notre ami? Bah, en fait, même s'il venait maintenant, il ne pourrait plus rien faire. Regarde au-dessus de toi. Et ouais, la fin du monde est proche. Si c'est possible de stopper ce truc, alors il faut le stopper maintenant. Ça dans les dents. Ah, là tu me fais plaisir. On va récupérer l'ocarina du temps. C'est la princesse Zelda qui vous a donné ce précieux instrument. Le souvenir de la princesse Zelda vous revient en mémoire. Tu vas quitter le royaume d'Hyrule, n'est-ce pas? Même si nous ne connaissons que depuis peu, j'ai l'impression que nous serons amis pour toujours. Je n'oublierai jamais les quelques jours que tu as passés sur Hyrule. Et je crois sincèrement que nous nous retrouvons un jour. En attendant ce jour, accepte ce présent. Je prie pour que ta quête se passe sans heurts ni danger. Si quelque chose devait arriver, souviens-toi de cette mélodie. Eh oui, le chant du temps. Alors, attendez, parce que les boutons ne correspondent pas à la manette. Sur la question des chants. Voilà. Le chant du temps vous revient en tête. Cette mélodie à la frontière de vos souvenirs est une chanson qui rappelle la princesse Zelda. Voilà, et alors ça aussi, ça a déplu, parce que bon, je vais spoiler, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est la dernière fois qu'on voit Zelda. Elle fait juste « La déesse du temps te protège ». Si tu joues le chant du temps, elle viendra t'aider. C'est la dernière fois qu'on voit Zelda, il n'y a pas Ganondorf, ça a déplu aussi. Mais bon, moi je trouve que c'est bien de faire des choses différentes. Il y a tellement de références aux autres Zelda et notamment Ocarina of Time que franchement, c'est peut-être même mieux quoi. Réveille-toi, tu as l'air perdu dans tes souvenirs, ressaisis-toi. Je ne vois pas en quoi cette Ocarina pourrait nous aider. Il y a quelqu'un à l'aide, déesse du temps, aidez-nous, il nous faut plus de temps. Voilà. Et donc, on prend l'Ocarina. L'Ocarina, j'ai dit. Hein? Quand as-tu attrapé cet instrument? Alors oui, en peste mojo, on a une grande trompe mojo. Alors. Voilà, et c'est la seule manière de sauvegarder en revenant à l'aube du premier jour. C'est comme ça qu'on peut continuer à jouer, parce que sinon ce sera un peu problématique, puisque c'est la fin du monde dans 5 minutes. Et oui, et quand on sauvegarde, quand on revient au premier jour, et ben on perd tout notre équipement.
C'est pour ça qu'il est important, alors ça fait un peu paradoxe temporel du coup, mais il est important de déposer ces rubis à la banque. Et ces rubis-là, on va pouvoir les retrouver. Voilà, flashback. C'est vrai que c'est rageant, hein, si y a un bug alors qu'on vient de finir un temple et que bah on perd tout. Quoi? Que s'est-il passé? Tout a changé. Changer de nouveau? Et ouais. Ah, la lune est plus loin déjà. Donc moi j'aime bien parce que ça garde une tension, ça garde. C'est pour ça que j'aime bien moi. J'aime bien ce principe. Qui es-tu? Cette chanson que tu as jouée, cet instrument. Mais cet instrument? Attends, c'est ça ton instrument? Le vendeur de masques a dit que si tu pouvais récupérer ce truc super précieux, il pourrait te rendre de nouveau normal. Me dis pas que tu avais oublié. Ah non, j'ai pas oublié. Alors, je vais regarder où on en est. Eh ben, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour ce premier épisode qui, j'espère, vous a plu. Alors, c'est vrai que c'était pas le plus passionnant parce que, bah, comme je sais globalement, hein, d'ailleurs, ce qu'il faut faire, c'est un des rares moments au tout début du jeu, on est un petit peu bloqué. Où, bah, voilà, j'ai juste récupéré des rubis. Bon, c'est quand même passé vite. J'espère que ça vous a plu, hein, ce premier épisode, en tout cas. Et puis bah, demain, on va commencer le vif du sujet et s'amuser ensemble dans ce monde très particulier, hein, ce monde avec Bourg-Clocher. Bah, je vous donne rendez-vous demain pour la suite. Portez-vous bien et à demain. Ciao.